Salut à tous, alors dans ce tutoriel, nous allons voir comment bien prononcer le son TH en anglais. Alors, comme vous le savez certainement, la plupart des Français prononcent ce son assez mal, vu que les Français prononcent ce son comme un Z. Donc voilà, à l'école, les professeurs de son facilité, vu que le son TH n'existe pas dans la langue française, apprennent le son TH comme un Z. Mais en fait, après, tous les Français prononcent ce son comme un Z et ça devient plutôt horrible. Donc ici, nous allons voir comment y remédier, comment bien prononcer ce son. Donc, par exemple, les Français vont prononcer le son, on va dire la voix, ils vont dire the voice, ce qui est pas du tout bête. Les Belges, on va dire, ils vont plus prononcer ça, les profs, ils vont le son TH, ils vont apprendre le son comme un D, un peu différent de la France. Bon, le D, the voice, ça reste un peu bête, même si the voice, ça reste plus américain, mais ça reste un peu bête. Donc ici, nous allons voir comment bien prononcer ce son. Donc nous allons voir aussi qu'il y a, en fait, il y a deux variantes de son, du son TH, il y a le son, la variante soft et la variante hard. Donc nous allons commencer par la variante soft, donc le son soft TH. Donc le soft, c'est par exemple pour dire thank you. Nous allons voir directement, il faut mettre en fait votre langue comme ceci et faire passer de l'air entre votre langue et vos incisives supérieures. Donc thank you, thank you, thank you. Voilà, ça c'est le son soft du TH. Nous allons voir le son hard, donc c'est par exemple pour dire the voice. Donc vous devez mettre votre main comme ça et sortir votre corde vocale trebée comme le moteur d'une moto. Donc vous faites aller comme pour faire aller le moteur d'une moto, vraiment le même son, on va dire. Donc the voice. Et par exemple pour dire that, qui veut dire ça. À dire aussi, c'est le même son, c'est aussi le son art, donc jat, jat, et non zat, non ze, donc jat, jat, c'est un 3B. Et le son soft, donc vous devez pas faire 3B votre corde vocale, et notamment passer de l'air entre vos incisives supérieures et votre langue. Donc je vous invite à regarder l'alphabet phonétique sur internet, et évidemment aussi pour apprendre tous les mots en anglais, je vous invite aussi à apprendre l'alphabet phonétique. J'espère que cette aide sera très utile. À très bientôt.